à tout le monde, c'est Azuric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1062 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous du coup de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans la carte de Termina. Nous sommes à 87%, plus que 13% de cette carte aventure. Souvenez-vous, on avait tout simplement terminé cette case dans laquelle on avait obtenu notre arme de niveau 4 avec l'Anna et l'aliment Eski. Donc voilà, donc l'arme de niveau 4 qui était la porte des âmes, souvenez-vous, hein. Et du coup, ben voilà, la porte d'invocation, pardon. Oui, la porte des âmes, tout simplement. La porte des âmes DX, voilà, 500 de dégâts et 7 slots vides. Et du coup, ben aujourd'hui, on va tout simplement partir en direction des cases à gauche. Voilà, il manque encore plein de choses à faire. Donc on va pouvoir s'attaquer tout simplement à la case. Alors on pourra pas faire les 4 cases finalement que je pensais, mais on va pouvoir en faire 3 au moins. Et du coup, ben on va s'attaquer tout simplement à cette case qui est là, voilà, donc dans lequel il y a un réceptacle de cœur à récupérer avec Impa. Donc là, il n'y a rien à faire, écoutez. Et on doit éliminer 700 ennemis avant l'armée tierce de niveau 3. Et on peut voir qu'en face de nous, nous aurons du coup des moblins. Voilà. Ben écoutez, on y va. Voilà, donc ça va être une case assez courte, je pense. Et du coup, ben écoutez, masque de la vérité, masque normal crépuscule. Normal crépuscule, c'est parfait. Et petit sang de dégâts, évidemment. Et c'est parti. Et on va choisir élément lumière, rapière, Zelda. De toute façon, on va pas l'utiliser, donc de toute manière, qu'on fasse ça ou qu'on fasse pas ça, peu importe. Et bien, on aura bien avancé en tout cas cette semaine. Et encore, on n'a pas fini. Alors, champ de bataille. Impa, Zelda, voilà, donc évidemment, et en face de nous, nous aurons du coup des moblins blindés, des moblins, et Grime noir en armée tierce, voilà. Merde. C'est sérieux? Tech. Tin, 5 KO. Salut toi la mobline. Alors, c'est avec le volcan d'Ordin. Putain, ça manque vraiment les débuts de ce jeu, quoi. Il faudrait y aller, il faudrait les faire, hein. De toute façon, évidemment, j'avais prévu de faire les scénarios avec tous les personnages, donc... Mais j'avoue que le mode héroïque, j'aimerais bien y retourner. Donc, il y a peut-être probabilité qu'après cette carte aventure, peut-être on fasse quelques épisodes dans le mode héroïque. Hein. Je préviens. Il y a une probabilité. Tac. Ah, dommage, je ne vois pas. Alors, hey, thank you. C'est bon. A mon avis, on va avoir un boss géant dans pas très longtemps. D'ailleurs, je colle le roi de Dango ici. Oh, come on. Je colle le roi de Dango. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Voilà, là on va pouvoir calmer tout le monde. Ouh, la nourriture ultra rare. Ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir. ...4-5 KO. Alors. Ah non, Mandala.
Bah écoutez, y'a Mandala. Bah on va devoir faire un épisode farm par contre cette semaine. J'suis en train de penser. Mandala, patataculaire vénéneuse. Valga. Oh, come on, dude, what the fuck? Oh, what the fuck, man? Come on, bitch. Un KO. Ok, le Volga est éliminé normalement. Mandala. Ok. One more left. Je pense que ça peut-être... Non, ça suffira pas. J'ai mis... Ok, ça a pas voulu l'envoyer quand j'ai appuyé, mais... Tac. Ok, coup fatal. On a du coup fatal, donc on y va. Allez, go! Ok. Oula, attention. L'arme. Sia. Désolé, Mandala, mais j'ai plus le temps de m'occuper de toi. Là, l'heure tourne et j'ai pas envie de louper leur A. Niveau 128. Bah écoutez, au moins ça sera sorti. Normalement on a la victoire de rang A. Eh oui. Donc cela veut dire qu'il nous restera tout simplement 12 réceptacles de cœur à récupérer avec elle. Voilà, plus que 12 avec Impa. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Voilà, match de gagnine. Ta-l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 a-